Toi là, enlève tes lunettes. Tu veux te taper un clash? Viens suivre la chaîne As Like Guy. Ah le salaud, oui c'est bien toi mec, t'as failli me faire choper. Tu m'as foutu dans la merde. Ou j'ai perdu tout mon pognon à cause de toi, bordel de merde, ça va pas la tête? Je suis un businessman, tu me fais ça à moi, tu te ramènes avec une demi-heure de retard et en plus tu te pointes avec un nom pas fait de flic. Et le clash de la drague, bah tiens, on va pas tarder, on va le faire tout de suite. Le clash de la drague de ce vendredi soir. En plus, c'est du lourd ce soir parce que c'est la finale de la semaine. C'est ouais. La belle, j'ai envie d'être votre belle, mes amours. Il y a une victoire partout. Votez Romano. Ouais. Tu fais bien de le dire, Cédric. Et une oui, victoire c'est vrai, partout. J'ai des derniers clashs. Et j'aimerais bien gagner celui de ce soir aussi. Cédric, pour vous séduire, a mis un t-shirt God. Ouais. Good God. Non, God. Achetez aussi. Ah, un jeu de mots, Good God. Voilà. Le bon Dieu, quoi. Je cherche un God pour ce week-end pour non, défoncer le trou du cul. Eh ben, défonce-le tous ensemble en votant Romano. Voilà, défonce-moi le trou du cul. Ben, j'espère. Mais j'espère jamais. Te mettre la misère ce soir. Et comment c'était venu de mettre un t-shirt, l'idée de mettre un t-shirt God comme ça, Cédric? Ouais, c'est vrai, c'est étrange. Non, je sais pas, c'est un pote à moi, il fait la marque. Et il se fout de ta gueule, non, c'est ça? Non, même pas, non. Ah, c'est un pote. Il a fait juste pour lui. C'est un pote à toi qui a décidé. Là, j'ai nouvelle collection, Cédric. Les autres mecs sont là. Regarde, non, mais le mec, il va le porter avec des mannequins, donc t'as vu. En fait, il allait voir des potes. Le pote de Cédric, et allait voir les amis de ses amis à lui. Il lui fait tu vas voir comme il est con. Je lui ai refilé un t-shirt, c'est écrit God dessus. Le mec, il va le mettre. Je vais lui dire qu'il porte tout ça à New York. Tout ça. Ouais, c'est en place. Et ça marche. Ouais, que Louis Vuitton va peut-être acheter la marque et tout. Et il le prend. Oh là, je le veux. Je veux un t-shirt God Michel. Vas-y. Non, mais tu sais qu'avec sa marque, il marche qu'avec des mannequins. Ouais, c'est pour ça regarde. Je suis nouveau mannequin, pas de la marque. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai, le mec, il a envie de faire faillite. Comment ça se passe? C'est le mec, il en a marre de travailler, il veut. Il prend Cédric comme mannequin, c'est dangereux. Ouais. Hein. Ah bah ouais. Mais c'est bon. La méthode de sort en plus. Bon, c'est quoi ta méthode? C'est la méthode du défilé là, parce que c'est la fashion. Oui. Défilé, ça faisait longtemps que t'avais pas fait. Ah, défilé sexy? Défilé sexy, ouais. Non. Alors, mais est-ce que la femme va s'asseoir dans le canapé pour te regarder défiler? Eh non, c'est le contraire, je voudrais faire défiler les femmes. Ah bah donc, ah oui, on revient à la méthode vraiment de base. Agent de mannequin, quoi. C'est-à-dire que soit dans le canapé et tu la regardes défiler devant toi. Non, je suis agent de mannequin, c'est pas pareil. Ah, tu vas chercher un mannequin? Ah ouais, je cherche un mannequin pour les défiler. C'est bien, et toi, Romano, ta méthode? Eh bien, je participe à une chasse au trésor et on m'a dit que le trésor était dans le cul de la femme. Eh bien, il faut aller le chercher. Eh bien, oui, parce que j'ai envie de la gagner, ma chasse au trésor. Il faut aller le chercher. Donc, on va chercher un trésor dans un cul et Cédric, il va chercher un mannequin. Cédric d'un côté, ouais. Romano de l'autre. Yes. C'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Salut les filles. Salut Cédric. Ouais, salut tout le monde. Cédric d'un côté, Romano de l'autre, comme je vous le disais. Deux méthodes. La méthode de Cédric, je vous la rappelle, c'est à la chasse aux mannequins. C'est ça, ouais, c'est la Fashion Week. Ouais, cherche des mannequins pour le défilé. C'est le défilé sexy, vous resserre la même méthode. Bah, rien à voir, mais rien à voir. Quel rageux celui-là. Au moins un million de fois. Avec son beau pull. Et toi, Romano? Eh bien, moi, c'est la méthode. Je participe à une chasse au trésor et le trésor, on m'a indiqué qu'il était dans le cul de la femme. Donc, je vais immédiatement le chercher pour gagner la chasse au trésor, bien sûr. Bien sûr. C'est parti, Cédric. Premier coup de fil pour toi. Écoutez bien, encouragez vos préférés et puis dans un instant, préparez-vous à voter. Mais attendez mon top. Chez Pierre. On va chez Pierre pour Cédric tout de suite. Allez. T'es pas un dragueur à l'artiste, t'es fidèle toi. Hein. Non, pas du tout. Mais avant d'être fidèle, t'étais dragueur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. T'avais mais quoi, ça marchait pas vraiment. Ah non. Ah, Cédric non plus, hein, tu vas voir. Bah si, pourquoi? Attends. Mercredi, j'ai géré. Ah, ça y est, c'est reparti. Allô. Bonsoir, c'est la femme de Pierre. Ah non, vous vous trompez, vous êtes chez Madame Durand là. Ah, comment ça va Madame Durand? C'est Madame Durand. C'est pareil. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis agent de mannequin là, et là c'est la Fashion Week. Ah bah elle va être bien elle. Il manque 2-3 mannequins, donc je pensais à toi. T'as l'air bien fraîche. Ah fraîche, je suis pas sûr que ce soit le mot Cédric. Allô? Voilà. Ah, tu sais pourquoi j'ai un doute? Parce que chaque fois que tu fais ta méthode de mannequin défilé tout ça, j'ai l'impression que ça te correspond pas parce qu'à chaque fois ça foire. Bah non, ça marche. Bah non, bah ouais, ça a marché, ça a foiré là. Ah pas là, parce que la dame elle était pas fraîche, l'artiste, tu vois. Mais... il a foiré. Je pense. Ah ouais. Romano, tu crois qu'il a fait de la merde? Ah non, mais je vous confirme qu'il a fait de la merde. On passe à toi, Romano. Pour être clair. C'est parti avec ta méthode de la chasse au trésor. Ouais, c'est qui? C'est Pierre, toi aussi. Pierre. Voilà. On fait que des pierres. C'est ce original. Soir. Ce soir, c'est la soirée non, Pierre. Non. C'est un spécial Pierre ce soir. Allez, c'est parti pour toi, Romano. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Désolé. Dommage. Veuillez laisser un message après le bip sonore. C'est que ce répondeur m'a toujours traumatisé. Vous entendez la voix du répondeur quand même? Et tu l'entends partout. Non mais c'est vrai, ouais, c'est déprimant. C'est-à-dire que le mec qui a inventé ça, il se dit putain, j'invente. C'est le répondeur France Télécom. Hein. J'invente ouais, de ça. La merde. Et ben écoute, le truc, tout le monde le met. Allô. Il est dépressif. Et toi, tu dis allô, Sandrine. Allô. Oui. Oui, c'est Bernard. Oui. Oui, bonsoir. Comment ça va? Allô. Oui, tu m'entends? Oui, mais je sais pas qui c'est qui me parle. Eh ben c'est Jean-Louis à l'appareil. Ta femme est à la maison, Bernard? Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Ta bonne femme est là à la maison?
Attends, quel Jean-Louis, s'il te plaît? Jean-Louis David, je t'explique, je participe à une chasse au trésor et on m'a dit non, que... Non, non, non. Ah bah si, non, si, non. Bah, bah écoute, si. Je fais encore ce que je veux de ma vie. Hein. Bah, pas chier, après je tout. Suis quand même libre, merde. Mais d'abord, je vous connais pas. Hein. Oui, oui, bah moi, écoute, on m'a dit que le trésor était dans le cul de ta femme, donc j'arrive immédiatement pour venir le chercher. Ah hein. Oui, mais bien sûr, tu peux venir, mon fusil est chargé. Ah bah tu me le mettras dans le cul, ça ira très bien. Oui, oui, mais il y aura peut-être même pas la peine. Allez, salut, au revoir. Ah bah, il n'y a pas la peine. À tout de suite. Il n'y a pas la peine. Comme il a dit. Tu vois, le seul truc pas français qu'a dit le mec, c'est Cédric Lortien. Il n'y a pas la peine. Non, mais en gros, il n'y a pas de serrage. Hein, c'est ce que non, il n'y a pas dire. De serrage. Deuxième tour. Oui. Allez, c'est parti. Allez, toi, t'es vraiment une salope d'arbitre. Bah, il y a le serrage, l'autre, il me sort le fusil. Il te faut quoi? Bah, c'est pas le clash du fusil. Bah, allez, s'il me le met dans le cul, ça devient quand même sexuel. Hein. Bah, non, rien à voir. Et il te le met dans le cul? Ah, il a pas dit non. Hein. Ah, mais il a pas dit oui. Bah, donc, dans le doute, je dis, il a dit oui. Fabrice. Dans le doute, ça peut se dire. Fabrice pour Cédric. Alors les messages. Ah tiens, je voulais. Allô. Je voulais les. Bonjour. Bonjour. Ah, bon répondeur. La messagerie orange du 0. Allez hop là. Les messages. La chasse au trésor pour Romano. Mort de rire. Jérôme adore ta méthode de la chasse au trésor. Ah bah faudra voter pour moi, Jérôme. Prépare ton petit vote pour Romano. C'est pas cher, c'est même gratuit si tu l'envoies par l'appli. Ouais, vote tout de suite si tu veux. Puis après tu voteras Cédric. Allô, Richard. Non, c'est Laurence. Ah comment ça va, Laurence? Ça va? Bah ça tombe bien, c'est à toi que je voulais parler. Enfin, j'aurais pu passer par Richard, mais c'est pas grave, on va être direct. Je t'appelais parce que je suis agent de mannequin. Et là, j'ai deux mannequins là qui sont pas venus pour le défilé de demain, donc je pensais à toi pour faire le mannequinat demain. C'est quoi, c'est qui? Bah moi, je m'appelle Michel. Michel. Michel l'agent, on m'appelle. Michel l'agent. Donc je voulais venir chez toi ce soir. Je te donne un string et un soutien-gorge. Tu me fais un petit défilé, puis bah si ça passe bien, à la limite, je te prends pour demain. Voilà. Allô, un rappel là. Tu vois, ah tu veux un rappel? Ouais, ouais, ouais. Ah tu prends un rappel là-dessus toi. Ouais, vas-y. T'as envie de gaspiller un rappel? Non, parce que je sens qu'il n'y aura pas de troisième tour, donc t'as envie de me laisser. Voilà ton rappel, Cédric. Non, ça compte. Ah, il y a un problème au standard. Non, mais on tente de rappeler, si c'est encore occupé, tu l'as dans le cul, Lulu. Hein. Dans le cul, Cédric, non. Oui, mais bon, pour la rime, c'est Lulu. Lulu, d'accord. Tu vois, il y avait un problème au standard. Ouais. Bah ouais, non, il faut qu'elle réponde aussi. Michel l'agent rappelle donc la famille de ALL. Allô? Allô Richard? Ah oh, putain! Ah bah dans le cul, Lulu! Dans le cul! Ça est complètement. Vas-y, on fera un troisième mais tour! Mais bien au fond du trou du cul là! Romano, à toi, ton deuxième tour! Allez! Et je note, rappel et je note que t'as un rappel en stock, oui! Ouais, merci ça monsieur pas, l'arbitre, elle a pas parlé, de noter ça sur votre tablette numérique! Et merci à ceux qui. Ah! Alors? Allô? Allô? Oui? C'est la femme de Laurent? Oui? Oui, bonsoir, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est qui? C'est Jean-Louis là, l'appareil. Jean-Louis? Ouais. Allô? Ouais, Laurent? Oui. Ouais, comment tu vas? Oui. Oui. T'as la voix de Claude François, t'as déjà dit? Oui. Fais attention dans la salle de bain. Hein. Fais attention. Hein? Oui, non, fais attention aux ampoules, il comprend pas, c'est pas grave. Ouais. Bon, dis donc, Lolo, j'ai un petit souci là. Oui. 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 Tu sais dire autre chose? Oui. Non. Ah, il dit non aussi. Ah, il répond pas là. Voilà. Ta gueule, toi. La gueule. Et pourquoi tu parles sur ma gueule? T'as accroché sa gueule. Non, mais ouais, au moment où t'as parlé. Excusez-moi. Et voilà. Je sors un carton jaune pour Cédric. Tu n'as pas le droit de parler sur la. T'es malade, il parle sur tous mes appels, lui. Il ne parle pas. Non, je parle. Quel mytho. Mais t'es un ouf, pour qu'on m'entende pas. Carton jaune, man. Combien de fois il parle sur mes appels, tu dis rien? Je te mets. Bah, je comble les blancs. Carton jaune. Aussi, là, je comblais les blancs et t'as foutu dans le ventre, mec. Bon, bah, donc je te prends mon rappel. Il prend son rappel. Alors. Ouais, je sais pas si ça vaut grand chose, mais bon. Ah, trop tard, tu l'as pris. Hein. Je sais pas, bon. De toute façon, faut bien le prendre ton rappel. Non, mais on fera un troisième tour, je pense. Faut pas gâcher, je suis pas sûr, Cédric. Oh, vas-y, putain. Pour l'instant, je me tâte pour le troisième tour. Et dis-moi si vous voulez un troisième tour. Allô? On a été coupé. Laurent? Non, c'est sa femme. Ah. Bon, écoute, ma chérie, j'ai participé à une chasse au trésor. On m'a dit que le trésor était dans ton cul, donc j'arrive dans 5 minutes. Et tu veux que je porte place, popcorn? Bah passe-moi ton mari là. Et là j'offre un troisième rappel juste pour rigoler. Pourquoi? Pour rigoler. C'est ta deuxième rappel. Ouais si tu veux. J'offre un troisième coup de fil pour Romano. C'est donc le deuxième rappel. Il a raison. Pour rigoler. Ok l'arbitre. Toi t'as pas l'esprit de contradiction pour me faire chier Romano. Non mais il y a l'appel qui donne un appel. Deuxième rappel. C'est le mec qui donne un appel. Ouais Laurent. On a été coupé. J'ai l'impression que tu fais un peu la grande gueule au téléphone là. Allô? Aïe. Laurent. Moi, là, déjà, ça t'ira mieux. Ouais, ben moi j'arrive dans 5 minutes, hein. Je m'occupe de ta femme ce soir. Ouais, bien sûr. Ben... Oui, c'est le 12 qui t'attend. Ah, ben le 12, tu me le mettras dans le cul. Ils ont tous un fusil ce soir. Ah, ami chasseur, mets-le-moi dans le cul. Mais, déjà, je suis pas chasseur, je te signale. Bon, bah ben, écoute, c'est pas grave. Le fusil, tu me le mets dans le cul quand j'arrive et moi je la mettrai dans le cul de ta femme. Ouais, bien sûr. Eh ben voilà. Et ma main dans ta gueule, tu la veux? Non, je préférais que tu me claques les fesses plutôt. Alors, arrête de me faire chier d'appeler là.
silence électrique. Ben moi j'arrive, de toute façon, on verra bien. On aurait que ça. Super. Vous voyez qu'on a bien fait de le rappeler. Mais ça, ça compte pas. Il a pété les plombs à la fin. Allez, il y en a toujours. Le petit donné d'appel en plus. Tiens, Cédric, c'est le casseur d'ambiance. On rigole et tout, et lui il arrive. Non, il voulait pas. Pourquoi tu casses l'ambiance? Bah parce que je crois qu'il gagne. Mais on rigole au moins. Ouais, je m'en fous moi. Vas-y, passe-moi une autre famille. Je donne une troisième coup de film. Alors attention, vous êtes obligé de faire participer l'artiste. Je veux bien un quatrième rappel, moi. Tu les suis, l'artiste, t'inquiète pas. Okay. Je veux dire, t'es mannequin, t'inquiète. Voilà, t'es mannequin. Bah, il pourrait. Waouh, Marie. Allô, allô. Jean-Luc. Allô, bonsoir, Jean-Luc. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ça va. Ah bah nickel. Dis-moi, je t'appelais parce que je cherchais une femme mannequin là. Je suis avec un de mes mannequins à moi là qui s'appelle l'artiste. Vas-y, dis bonjour. Salut. Et en fait, on cherchait une femme pour demain pour le défilé parce qu'il nous manque une femme. Et moi, j'en ai pas moi. Ah bah c'est pas grave, on va travestir un petit peu. On va venir avec une perruque, un string et puis un petit haut sexy, un petit haut moulant et puis voilà. Ouais, mais c'est qui est là au téléphone? Je reconnais pas. Michel. Michel Lagent. Ouais, je vais venir avec l'artiste là, on va venir chez toi et on va voir si ça il passe. Peut faire là, il peut faire femme. Ouais, il peut faire femme, ouais. Et parce que Marie a monté un truc, je comprenais pas. Donc voilà, on arrive dans 5 minutes et puis on fera l'amour tous les trois. C'est la panique, c'est vrai. Mais non, mais Marie a monté des feuilles, je comprends pas. Mais oui, mais ça va pas du tout. Allô? Je ne parle pas. Ouais, mais t'es où là? On est juste à côté de chez toi justement, on est au village. Au village. T'as raison, parce que si t'es pas un village à côté là. Ah, bah si, moi je suis dans un village à côté. On avait trouvé qu'un hôtel là, donc on arrive dans 5 minutes, on se fait ça, puis à la limite on baisera tous les trois. Oui, t'as raison, oui. Bah dans le milieu ça couche, hein, tu sais. Oui, vous avez rien d'autre à faire, t'as déconné. Bah sympa. Non, on va venir, on va coucher ensemble. Ça vous occupe ça? Bah écoute, on va s'occuper pour la soirée au moins. J'ai l'impression que ça part en couille. Ouais. Il parle là, tu vois, il parle. J'ai mis un carton jaune, t'inquiète. Allô? Ça va bien avec vous ça? Bah écoute, on arrive dans 5 minutes et puis on va faire l'amour. T'inquiète. Non, amusez-vous bien tous les deux ensemble. Tu vas aimer ça, t'inquiète mon chéri. Je vois combien c'est deux, amusez-vous bien tous les deux. Non, attends, c'est un truc à trois, t'inquiète. On a besoin de toi. Allez, passez une bonne soirée tous les deux. On arrive Jean-Luc, hein. Prépare tes fesses. Ouais. L'artiste est content parce que regarde, on a passé un coup de fil et à la fin du coup de fil, tu te retrouves en couple avec Cédric. C'est cool. T'en as de la chance. Arrêtez vos conneries. On va fêter la sortie de l'album, t'inquiète. T'imagines que demain, ce soir, tu vas te coucher, demain matin, tu te réveilles. Et qui est-ce que tu vois à côté de toi, nu, affalé comme une vache dans le lit? Cédric. Elle a tes deuxième, troisième, on couche ensemble, t'es numéro un. Raconte-lui que t'avais. Ça va aller. On met ça sur les réseaux sociaux, t'inquiète. On fait le buzz, hein. Un carton, mon pote. Raconte-lui l'histoire quand t'avais tripoté ton pote qui dormait avec toi. Non, ça va pas, non, mais. Ah oui, c'est vrai. Il a masturbé un pote en dormant. Non, comment il raconte l'histoire, on dirait genre j'attrape un mec, je les galoche, rien du tout. Raconte. En fait, j'étais crevé, je dormais chez un pote. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que je rêvais. Voilà, je me suis réveillé, j'étais dans son cul. Faut déjà préciser, c'était dans le même lit. Ouais, enfin, c'était un canapé lit qu'on avait ouvert, c'était KO. Ça arrive de dormir entre potes dans le même lit. Ouais, voilà, ça arrive. Et en fait, pendant mon sommeil, je l'attrape dans mes bras. Et à ce moment-là, il y a sa mère qui rentre dans la chambre. Ok. Et en fait, elle nous réveille, elle fait. Elle se met à crier et moi je me réveille, je vois qu'il est dans mes bras, je fais putain merde. Je pousse les mecs, mais laisse tomber la honte de ma vie quoi. Je suis plus jamais retourné chez eux. Jamais. Attention, vous jamais. Plus le pote. Et tu le vois toujours ce pote d'ailleurs? Non, je le vois plus. Ah bah voilà. J'imagine. Hein. On le comprend. Sa mère elle était choquée. Voilà ce qui t'attend. Une Tunisienne, laisse tomber. Alors on passe au dernier coup de fil de Romano. Oui. Et après vous allez pouvoir voter. C'est bien parce qu'on a fait un beau clash ce soir. Et tu fais participer l'artiste aussi Romano. Ouais, pas de problème. Du coup je peux changer de méthode, ouais. Si tu veux. Ouais. Tout est possible sur Skyrock, vous le savez. Et c'est qui là? Arnaud. Comment? Aldo. 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 Arnaud. Ah ouais. Putain, mais tu parles avec un accent. Mais parle sans accent aussi. Bah ouais. 20 fois. Et en fait, l'autre il parle sur mes appels, on a rien dit là. Si, il a dit carton jaune. J'ai dit carton jaune. Ouais, tu vas non, mais bah, ça va, attends, carton jaune. Je couvrais les blancs. T'es foutu au code, tu parlais normal, l'autre il parlait encore. Et là, on appelle qui après? Jean-Michel. Jean-Michel. Très bien, là tu parles bien. C'est bon? Oui, Jean-Michel. Sans accent marseillais, ok? Jean-Michel, c'est parti. Allez Jean-Mich. Allez Jean-Mich, on lui passe un petit coup de fil et hop, attention, on y va. Pour toi les Parisiens, ils parlent comme ça? Tout à fait. Voilà, salut, salut, tu vas bien? Salut, c'est Jean-Michel. Ok. Alors? Bon, on attend Jean-Michel. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Hop là, on laisse tomber Jean-Michel. Et maintenant, on va chez qui? Vas-y, chez Michel. Chez Michel, on a laissé tomber le Jean. T'enlèves le Jean, ouais. C'est Michel. On va chez Michel. Et ce sera le dernier coup de fil, donc après vous votez. Et je vous rappelle que l'enjeu est important cette semaine, puisque vous déciderez du gagnant de la semaine. Et préparez les votes, la team Romano. Ouais. C'est qui? Bonjour, ceci est un répondeur. Oula. Allô? Allô? Oui, allô? Hello, oui. Oui, c'est Michel? Oui. Oui, je te réveille? Oui. Oh merde, t'es en train de dormir? T'es tout seul là?
Pourquoi? Bah parce que là je suis avec un copain, on avait envie de faire l'amour à trois nous. On va venir te voir, Michel. T'as pas de chance, l'artiste. Oui, et là, après, t'as oui. Cédric. Oui. Qu'est-ce que c'est de cette plaisanterie? Ah non, mais là, bon, du coup, vu que t'es déjà couché, tu laisses la porte ouverte, on se glisse dans le lit. Et ta sœur, ça va, oui? Oui, bah, elle va bien, je t'en remercie. J'en ai pas, mais elle va bien. Non, mais il faut être complètement taré pour téléphoner des conneries pareilles à 7 heures. Hein. Ah, ben là, mais bah, on arrive dans 5 minutes, hein, tiens-toi prêt. Hein. Allez, ferme ta gueule. Oh, eh, oh. Allô, mais moi, je viens avec mon copain, là. On arrive. On arrive. On arrive, je crois qu'on arrive nulle part là. Michel. Merde. Merde. Oh Michel, prends le pas comme ça. Merde. Crotte. Ah oh, bah zut alors. Flûte. Ah oh, bah mince. Un fichtre. Et bah voilà pour le clash de ce soir. Attends, vous aviez pas encore un peu plus âgé? Il était sympa le papy. Il avait de la répartie en tout cas. Bon voilà l'artiste, alors tu te retrouves dans le lit de Michel et Romano. Et puis ce soir tu dors avec Cédric et demain tu te retrouves dans les bras de Cédric, c'est pas beau? Et numéro 1 serait une poteau, t'inquiète. Putain, il va pleurer. Tous ceux qui kiffent l'artiste, votez Cédric, hey, c'est eux. Je crois que c'est la dernière fois qu'il vient l'artiste dans l'émission. Bon, t'inquiète. Mais t'es pour qui toi l'artiste? Alors qui c'est que t'as trouvé le meilleur l'artiste? Hey. Faut t'engager. Ah. Hein. Si tu votes par Romano, je te bousille ton son. Alors, bah là t'es obligé. Quel meilleur? Ah mais vas-y, dis. Bah, là, ça a duré plus longtemps avec Cédric. Ah c'est vrai, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Il vote pour Cédric. Merci, ouais, merci. Merci c'est, la famille. C'est pas le clash de la durée, permets-moi de te le dire. Oh, ok, ouais. Ouais. Mais ça c'est tout en ses excuses. Bon alors, qu'est-ce que vous avez à dire, Cédric? Une petite déclaration en speed. Bah moi voter Cédric, c'est EDRUC. Ce soir je fais couple avec l'artiste. On l'a avec nous dans l'émission. Je voulais ramener dans l'émission. Voter Cédric, c'est EDRUC. Non t'inquiète poto, c'est juste pour la déclaration. Il est dégoûté. Hein. Voter Cédric, c'est EDRUC. Je compte sur vous tous et vous toutes pour me faire gagner ce soir. Je vous aime. Romano, à toi. Eh bien, mes amours, ce soir, malgré tout, il y a quand même du fusil de sortie sur mes deux appels. Mmh. Bon, l'artiste... C'est vrai que c'est pas le clash du fusil. Hein. Deux fusils, toi. Je ne le salue pas, puisqu'il vote Cédric. Eh bien, votez Romano, seul contre tous, nous aurons la victoire. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Et c'est parfait. Votez Romano. Allez, on vote Cédric. Top vote, laissez-moi mater les messages, là. Allez, Romano, nous dit Lélé du 62. Je vote pour Romano, le maestro. Ah ouais, ça c'est bien, ça. Ça, c'est l'univers qui nous laisse un message. Allez, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Giov, lui, vote pas Romano. C'était clair. Il vote le Belge. Salut à toi, Geoff. Ouais, la famille. Qui vote le Belge. Romano pour Team Romano. Bon, c'est pas étonnant, l'inconnu vote pour Cédric. Je vote Romano, bien sûr, pour Ricard, Amor Levaux. Romano, Cédric est un gros con pour Snake. Bah, c'est gentil, merci. Cédric le best, c'est Blue qui vote pour toi. Franck, ouais, Blue. Vote pour Cédric aussi. Donald Trump. Ah, aïe. Donald Trump est un de tes fans. Hein. Ah, ouais, je sais, ouais, il vote tout le temps pour moi d'ailleurs. C'est, oh, c'est leur famille. Ça m'inquiète un petit peu, non, c'est pas la famille, mais tranquille. Allez, Cédric, il dit José, dit Cédric. Quand même. Allez, Romano pour allez, la allez, NASA. Allez, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Tu savais que la NASA votait pour toi? Ouais, bah c'est très gentil, big up la NASA. Bon, en direct sur Skyrock et avec vous en direct dans toute la France. Et j'ai les résultats du clash de la drague de tout à l'heure. Alors, je vais vous les donner tout de suite. Ça va peut-être me passer l'envie de chanter. Juste après. Oh, on le fait plus tard. Pourquoi? Je sais pas. Tu le sens pas ou quoi? T'as vu les résultats? Il a regardé ce que. Non, j'ai pas vu, mais putain, je vois que ta feuille, y'a pas trop de vote de mon côté là. Bah, y'en a plus de l'autre côté, donc en fait, oui, je vous annonce la victoire ce soir. Ah. De Romano de Bourgogne. Ah bah j'ai même pas le temps de mettre la musique du suspense. Si parce que je vais donner les scores. Il faut que je donne les scores. La victoire de Romano ce soir. Ah, j'espère que moi je gagne pas comme l'autre mercredi avec un misérable 50,8. Comme l'autre, ça va, parle bien toi déjà. Non, tu gagnes avec un 60%. Ah bah voilà, bah ça c'est bien mieux. 60 contre 40, c'est bien. Tu fais 40. Tout rond dans ton fion. 60. Et on remercie l'artiste. Eh bien l'artiste guest star dans le. Tu as bien fait de soutenir Cédric, ça a fonctionné. Autrement il aurait peut-être fait 39. Là il a fait 40. Non, ils se sentaient obligés, je crois. Bah oui, hein. Putain. Ah bah écoute, moi ça me fait bien plaisir. Je vais quand même remercier toute ma team Romano qui a mis une bonne pinée à Cédric. En même temps, l'autre il arrive avec un pull où il y a marqué God dessus. Donc, non, il y a écrit Good. Ouais. T'en penses quoi? L'artiste, d'ailleurs, on voulait te demander est-ce que tu mettras un pull où il y a écrit God dessus? Il y a écrit God, non, pas forcément. Comme celui-ci, regarde. Alors tiens,